Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. J'espère que vous allez bien, tout ça. Donc, la dernière fois il s'est passé pas mal de choses, hein. On a appris beaucoup sur le scénario de... Bah, en tout cas, ce qui s'est passé, en fait, avant qu'on soit battu par Ganon. Et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et voilà, quoi, l'éveil des pouvoirs de Zelda, et notre... en gros, on est presque mort de d'épuisement, tellement on s'est battu pour défendre la princesse, semble-t-il. Voilà, je suis plein, bon. Donc la dernière fois, j'avais demandé à quelqu'un sur le live qui avait dit qu'il voulait qu'on aille dans le volcan. Donc c'est parti pour le volcan. Et après, je pense qu'on va être bon. Donc, alors attention, le volcan, c'est assez compliqué. En gros, j'ai trouvé la solution, ne vous inquiétez pas. En fait, si on s'approche près du volcan, on brûle, tout simplement. En fait, on se met à brûler. Et en fait, j'ai trouvé ce truc-là, avant, parce qu'on n'est pas loin du volcan. Et regardez ce que j'ai trouvé. Pour faire une potion, n'importe laquelle, une potion, il nous faut un lézard et une petite corne. Et, en me baladant proche de cette falaise-là, hein, en allant vers cette route-là, je me suis dit, bon, j'ai envie de voir ce qu'il y a vite fait. J'ai trouvé... Je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà. Alors, pas de tempo, pas vigueur, pas max. Voilà, des lézards ignifuges. Et en gros, si vous savez pas ce que dire ignifuge, c'est en gros qui résiste aux flammes. Donc du coup, j'ai dit, bah non, j'ai le lézard. Et donc du coup, j'ai testé pour faire le... Il y a un monstre là-haut. Pour faire le la recette, donc on va tester la recette. En gros, donc on va reprendre le lézard ignifuge. Hop. Prendre, je vais prendre deux même. Je sais pas si le fait d'en prendre plusieurs, ça fait que ça reste plus longtemps. Ainsi que les molides de corne. Alors elles sont où les cornes? Parce que je les ai réorganisées si j'avais été dans la... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. Parce que du coup je suis complètement paumé. Il est où le machin ignifuge? Enfin pas le machin ignifuge mais les cornes. C'est pas là. Je suis en train de chercher. Ah là. Voilà. Bim. Et on fout ça là-dedans. Et normalement... C'est bon. Et regardez, remède ignifuge, 6 minutes. En gros, on peut rester 6 minutes proche du feu sans brûler. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on en fasse plusieurs. J'ai voulu faire ça en vidéo pour vous faire voir comment ça se passe. Parce qu'il ne faut pas non plus... En plus, c'était côte-côte, quoi. J'ai cherché midi à 14h, alors c'était côte-côte. J'en ai pas beaucoup, donc je pense que je vais en faire plusieurs. Moi, j'en ai déjà une de faite, donc au pire, ça n'en fera 3. Et j'espère qu'on trouvera quelque chose qui nous empêchera de brûler plus tard. Oh, mais il fuge 3 minutes au lieu de 6. Donc en fait, si on met 2, ça double. Ok. Bon, bah, j'espère qu'en tout cas, ça fera l'affaire. Pour l'instant, je pense pas qu'on brûle tout de suite, j'ai un doute. Mais il me semble pas. Donc on se dirige maintenant vers. Eh, salut Nook, Tom. Non, c'est pas Tom Nook. À chaque fois, je dis Tom Nook alors que c'est Terry. Tom Nook, c'est dans Animal Crossing, hein, pour ceux qui se demandent. Alors. Qu'est-ce qu'il veut? Non, je veux pas de remède robusto. Je veux juste que tu... Je veux juste t'acheter des flèches, ça te dérange pas. Non, je veux pas vendre. J'y arriverai pas. Je veux acheter. Et si t'as des flèches, ce serait parfait. Merci beaucoup. J'ai un petit peu d'argent, bien sûr, parce que bon, j'ai un petit peu joué de mon côté. Comme toujours, en fait. Hein. Pour essayer d'avoir un petit peu plus de cœur et tout ça, et pas être trop faible. Mais voilà. Franchement... Ça va être cool. Donc on est parti pour une découverte d'une nouvelle zone et qui a l'air assez, assez cool, mine de rien. Ça a l'air assez pété. Toi là-bas, j'ai vu, hein. Bon, si j'arrive à retrouver d'autres lézards, il va falloir que j'essaie de les attraper. Parce que c'est ici qu'on les trouve. Hein. Je sais pas si on va en voir ici. Mais j'aimerais bien. Donc du coup, j'ai essayé de faire gaffe un petit peu à ce qui se passe autour de moi parce que... Bon, voilà quoi. Tiens là-bas. Non, ça c'est pas des vers, c'est des espèces de poulets. Poulet ! Meurs, j'aurai ta peau. Voilà. Quoi? J'ai tué quoi là? Ah oui, une balle ne suffit pas. Enfin une balle. Un tir ne suffit pas, comme une petite flèche en bois. Je rigole, je la mange le petit déj, tout ça. Ou un goron. Un goron! On en trouvera d'autres, je pense. Des petits lézards. Ah 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 ah, il y en a là. Ah non, il lui a fait peur. Oh non, c'est lui qui lui a fait peur, c'est pas juste quoi. Hein? Ah salut, ça va? Bam! Me brûle pas, hein. Voilà, merci. Ah bah, il a quand même réussi à me brûler, bon c'est pas grave.
Par contre, je sais pas à quel moment ça va devenir dangereux, cette histoire. Mais voilà. En tout cas, en tout ce qui est truc principal, pas de quête principale, il nous reste en gros les Gorons. Donc qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut me brûler dessus. Oh, il s'éteint. Attendez. Pouf, il est éteint. C'est le moment de l'attaquer. Et on a de la gelée chuchu. Par contre, je pense que je vais devoir changer de vêtements et tout, parce qu'ici, il fait beaucoup trop chaud. Je pense qu'il va faire chaud ici. Il me semble. Bon, alors laissez-moi tranquille, au bout d'un moment, vous commencez à me saouler. Oh là là! Il y a, comme qui dirait, un gardien, là. Faudrait pas qu'il me voie. Oh, il marche, en plus. Est-ce que je peux grimper, faire quelque chose pour essayer de l'éviter? Là, il me tourne le dos, faudrait que j'y aille. Faudrait pas qu'il me voie. Faut que je me cache. Allez. On va essayer de faire ça discrètement. J'espère qu'il me verra pas. Et je vais y aller quand il tourne le dos. J'essaie de récupérer la... Bon, je vais pas être gourmand. J'ai pas essayé de récupérer la... Le champignon. Allez, tourne la tête, là. Allez, en cours, en cours, en cours, en cours, en cours. On va passer derrière. Oh, tourne pas la tête, c'est bon. Je vais pouvoir le contourner. Mon dieu, c'est une blague, quoi. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est au moins aller jusqu'au... Ouah, ça va être chaud. Donc ouais, je disais, on va essayer au moins d'aller jusqu'au village. Il va jusqu'où après? Il va tellement me voir. Et cette eau doit être super chaude. Il est où? Ou alors je grimpe là-haut. Ouais, on va faire ça. Je vais grimper plus haut possible. Et j'essaie de me barrer en volant. Allez. Allez, mon petit. Mon petit Linkouné, maintenant que tu te rappelles de tous les souvenirs qu'il te faut, tu sais que la cause est juste. En même temps, on le savait depuis le départ, mais bon, voilà. Bon, il est où, Jean-Louis? J'ai peur de pas être assez loin. Ça dépend. La route, elle fait quoi? Oh là là. Il faut que j'aille là. Donc, est-ce que je peux pas essayer finalement d'aller par là? Je ne vois rien. Il y a trop de... Ah, attendez. Bon, on y va. J'espère qu'il va pas me voir. S'il me voit, c'est la fin des haricots. Même si je pense que je peux quand même le semer. Mais c'est assez compliqué parce qu'il est quand même rapide. Il m'a vu! Colère d'Urbosa est à ta disposition. Hop là. On se barre. Il va me perdre au bout d'un moment. Pas me suivre jusqu'à la fin des temps. C'est bon? Oh là là, je vois, j'ai vu ses petites pattes bouger, je sais pas si vous avez vu. Mais j'irai pas retourner pour vous faire voir. Hein. Il y a une limite. Ah! Alors je sais que beaucoup de gens me disent d'utiliser les bombes et tout ça, mais en fait je préfère pas utiliser les bombes. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce qu'en fait ça explose dans tous les sens et j'ai du mal à aller les chercher. Donc je préfère 100 fois utiliser au pire un peu de mes armes. Bon, tant pis, hein, ça a glissé. Un peu de mes armes et au moins ça pète devant moi et je suis obligé de courir après comme maintenant par exemple. Je sais que ça vous horripile pour certains. Mais j'ai vraiment pas le choix. C'est pas que j'ai pas le choix, mais je préfère faire comme ça. Voilà. Ça. C'est utile, hein, ces trucs-là. Je vous le dis tout de suite. Même pour se faire un peu d'argent. Même si les gemmes Nox étaient quelque part pour l'instant, je n'ai pas eu besoin. Donc bon, on verra plus tard. Hein. En tout cas, c'est une belle petite grotte. Il y a de la fumée partout. Il y a des machins qui brûlent partout aussi. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de machin imifu. Mais je sais qu'on brûle à côté parce que la dernière fois j'avais grimpé dans une zone et il y en était à côté de la lave et boum! J'ai brûlé comme un petit foufou. Ah, regardez là-bas, il y a un truc. Bon, vous êtes beaucoup trop nombreux ici, hein. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas testé encore en vidéo le pouvoir qu'on a eu la dernière fois avec notre cher ami. Regardez ça. Coudre! Vous avez vu la zone que ça fait? Ça a buté tout le monde dans la zone. Normal. Bon, après ils sont faibles, c'est pour ça aussi. Mais c'est assez pété quand même, faut bien l'avouer. Bon, alors ça va, en parlant de pété, on va exploser ce truc là. Putain, pourquoi je prends pas Link Loom au fait? Explosion! Et y'a quoi derrière? Ah! Et bam!
Regardez-moi ça, du saphir, du rubis et de l'ambre. Franchement, c'est cool. Avec ce truc-là, on peut faire des bijoux et tout, mais bon. On va rester... on va rester soft. Oh, mais laissez-moi. Je vais pas tuer tout le monde, parce que j'ai commencé à avoir beaucoup de gelée chuchu. Enfin, de la gelée chuchu rouge, carrément. Allez. On va essayer de dépêcher un petit peu. Je sais pas si... Non, ça, c'est de l'herbe piment. Donc, du coup, c'est pour avoir chaud. Mais je sais pas s'il y a des herbes imifuges, parce que à part les arbres, ouais. Mais les herbes, c'est déjà une autre histoire. Je sais pas si on s'approche du village ou quoi. Donc là, ça va, ça fait 10 minutes que la vidéo a commencé. Oh mon dieu! Non. Non. De toute façon, on va. Finalement, on a peut-être pas besoin de ça, hein. Je vais peut-être pas brûler. À quoi qu'il y a de la lave qui s'approche de nous là? Bam! Ça suffit? Oui. Oh, de la bonne viande de volaille fine. On s'approche très proche hein, du feu. Par contre, je suis à côté du chemin. Je ne brûlerai jamais, j'ai le truc inifuge. Et où le chemin? Parce qu'ils ont l'air de dire qu'il y a un chemin ici. Et que je suis passé totalement à côté. Wow! Bah finalement, ça brûle pas. Tout va bien. Ok! Ça brûle. c'est parti, donc on va prendre... Alors, où est-ce que c'est? Ah bah oui, c'est dans les trucs cuisinés, forcément. Alors, inifuge, bim, et on le boit. Par contre, il fait très chaud. Ah! Il fait beaucoup trop chaud pour travailler. Bon, je vais pas prendre... Oh, on a, pourtant, il y a tellement de trucs. Bon, on va risquer de perdre un peu de vie. Oui, je sais, il fait très chaud, je suis désolé. Link, résiste. Prouve que tu existes. C'est bon. Oh, la chaleur qu'il fait, quoi. C'est un peu abusé. Par contre, je sais comment pour aller... Il est où le chemin? Putain, mais je me suis trompé quelque part, je crois. Je suis censé marcher à côté d'un chemin. Bah... Oh, mon Dieu! Oh, il m'a vu, c'est sûr, il m'a vu. Vite, cours, Bartha! Oh là là, il est où? Il me voit plus. Ah si, il me voit. Là, il me voit plus. Par contre, il peut pas grimper, c'est ça qui est cool. Ah si, c'est comme un chemin. Hein. Bon, j'attends qu'il se calme, l'autre, là. À moins que je fasse ça. Du coup, il me voit plus non plus. Je vais aller de caillou en caillou parce qu'il est pas capable de grimper. C'est au moins une bonne chose de... C'est déjà une bonne chose, je trouve. Pourquoi ça se fait qu'il y a des gardiens ici, sérieux? Pas normal. Normalement, il y en a à côté autour du château. Là, il y a pas de... C'est pas censé exister, ça. Oh, il m'a vu. Laisse-moi tranquille. Il est où? Il va me poursuivre très longtemps si ça continue comme ça. Vraiment que je le sème. Ta-ta-ta-la-ta-ta. Et je me cache, je me dépasse discrètement. Je sais pas où il est. Il m'a vu, mais moi, je le vois plus. Salut, toi, là-bas. Je ne suis qu'une illusion. Il est tout seul, comment ça se fait qu'il est tout seul, lui? Alors, on s'amuse bien? Bah. Ah, mais il fait des... Alors là, les flammes, tu tombes mal, mon gars, parce que... Je ne brûlerai point. Ah oui. Oh bah, il y a un coffre, j'avais même pas vu. Il y a quoi dedans? Des flèches électriques, nickel. Franchement. Franchement, on m'a pas eu sur la marchandise. Juste pour un mec, franchement, ça valait le coup. Par contre, il est où ce maudit village? Le maudit village. J'ai retrouvé la route. J'ai mis du temps, mais j'ai retrouvé. Ah, il y a un sanctuaire dans le coin. Il sait qu'on fasse un petit sanctuaire magique. Non. Enfin, je sais pas où il est le sanctuaire. Par contre, il fait très chaud, mais... J'ai pas l'impression qu'il en perde de la vie parce qu'il fait chaud. Donc finalement, finalement, pourquoi pas rester comme ça? Ou alors je pourrais mettre la tenue de... Oh, du héros! J'y veux. Ouah, t'es trop fort toi, dis donc. Tiens, mange ça. Oh! Il est mort? Je sais pas s'il est mort. Ah, il est parti peut-être plus. Ah, par contre, mes flèches, elles deviennent automatiquement brûlées. Ça, c'est rigolo.
fait tellement chaud que mes flèches brûlent. Bon, alors je sais pas ce qu'ils veulent, mais. Ça commence à devenir très 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 chaud ici. Hein. L'antiflamme me sert beaucoup. Il reste plus que 19 secondes, tout va bien se passer. Je ne crains rien, bien sûr. Par contre, ici, il y a tellement de trucs. Heureusement, ça brûle pas comme dans Minecraft. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce truc. J'ai l'impression qu'il va y avoir un golem. Ça, là, c'est pas naturel, ça. T'es un golem. Oh mon dieu! J'ai brûlé! Ça va bien, ça va bien, ça va bien se passer. Je gère, ne vous inquiétez pas. Où est-ce que sont mes autres trucs? Voilà, je vais prendre le truc à 6 minutes. Ah, finalement, c'est bon. Alors, par contre, on perd pas de vie quand on a chaud. On perd de la vie quand on a froid. Mais quand on a chaud, c'est non. Je vous l'avais dit que c'était un golem. Vite, cours! Oh, faudrait pas qu'il m'attaque, hein. Pas pendant que je grimpe. Pas du tout pendant que je grimpe, ce serait vraiment trop dommage. Allez, on va y arriver. On est bientôt arrivé en plus, je crois. Voilà. C'est chaud ici, hein, quand même. Au sens propre comme au sens figuré. Et je pense qu'on est pas loin d'être arrivé. On est où exactement sur la map? Ah. Bon, après, si vraiment il se passe des choses, bien sûr, on fera autre chose. Et puis, on ira vraiment dans le village dans le prochain épisode. Même si pour l'instant, on a encore un peu de temps. Enfin, beaucoup de temps, même. Mais voilà, il y a des trucs qu'il faut couper. Là, ça vaut le coup encore de... J'ai cassé mon arme! Ah, je l'avais dit qu'il fallait que je change d'arme. Oui. Mais en général, je prends les armes pas terribles, terribles. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'en ai un... c'est bon, j'ai plus d'armes pas terribles, terribles. Donc, on va y aller à la bombe maintenant. Mais vous allez voir la différence. Oups. Posé. C'est que regardez, de toute façon, si ça explose dans la lave, bah c'est mort. Bon, là ça va, j'ai eu de la chance. Donc, vous allez dire, vous voyez, on avait raison. Oui, d'accord. Pour cette fois, je vais bien vous dire que vous aviez raison. Qu'est-ce que c'est que ces petits trucs? Ah, c'est un petit gouron. Oh, le mignon. Eh, dis, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais pourquoi mon grand frère Shanti... C'est sûrement comme ça que ça se dit. Il arrête pas de pas être content. Je sais pas, moi. Pourquoi tu sais pas? Si t'es vraiment un adulte, tu dois pouvoir parler franchement, sans te débiner. Et où? C'est pris pour qui, lui? Y a pas une petite quête, ici? Un petit truc? C'est des petits mineurs? On dirait qu'il dort. Wow, il est vieux, lui. Pouh. Qui c'est qui vient me déranger à une heure pareille? Il parle bizarrement. Hein. Écoute-moi bien, demi-portion. Tu peux pas tromper un vieux de la vieille comme moi. Brr. De quoi c'est la vérité? Je comprends pas. En fait... Non mais pas plus. Brr. Tes yeux parlent pour toi. Brr. Moi aussi, j'en ai vu des choses pendant toutes ces années. J'ai bien compris que tu n'étais pas n'importe qui. Blablabla. Bon, demande-moi ce que tu veux. Blablabla. C'est quoi ici? Ici, comme tu peux le voir, c'est une exploitation minière. Je sais pas pourquoi on fait le... Grâce à la vente du minerai qu'on y extrait, notre petite bourgade, le village Goron, ne manque de rien. Avant, on travaillait beaucoup plus près de la cime de la montagne de la mort. Mais le lézard... Ah oui, d'accord, je crois que c'est sûrement la créature divine. Nous a forcés à venir piocher ici. Tu veux savoir quoi d'autre? Le village Goron. Le village est par là-bas. Fais attention aux boules de feu. C'est le chemin. Tu veux savoir autre chose? Bah j'ai déjà demandé c'était quoi ici. C'est une mine. Bah il l'a dit hein, je sais plus. T'es qui? Je m'appelle Bolim. Bolin peut-être. Je suis originaire du village Goron. Je suis peut-être un peu rouillé, mais encore assez costaud pour travailler. Tu veux quoi? Bon bah c'est rien. Au revoir. Je sais pas comment monter le blob.
Ouah, moi aussi je peux piocher, regardez. Ah oui, j'avais dit que je vais déjà avec ça maintenant. Hop. Bon, comme par hasard, mais voilà, quand on est en pente et tout ça, c'est plus compliqué. Bref, on va dire que j'ai raison et vous avez tort. Et puis c'est tout. Oh, regardez qu'il y a du vent, regardez. Wouhou! Ça monte où comme ça? Bah bravo! Bravo Nils! Et que je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Moi je ne sais pas. Y'a pas une quête ici? Non? Vous êtes sûr? Je ne reviendrai pas, hein! Vous avez pas besoin de moi! En même temps, y'en a qui dorment, donc peut-être que. Ah, par contre, y'a des minerais ici. Je vais savoir passer. Machin là. Hop là! Des petits lézarinifuges. Il y en a plein ici. Enfin, il y en a trois, mais bon, pour moi c'est plein. Hop, on pose. Non, je dis hop, on pose. À chaque fois, je me gourde de boutons. C'est quand même triste. Explosion! Quoi, t'en as pété qu'un? Oh la tristesse. Hop. Explosion! Quand ça vole, des fois, il y en a un qui est derrière et puis je l'ai pas vu, quoi. Bref. Bon, bah, du coup, on va y aller, hein. Si personne ne me demande rien, c'est nickel. Bon, allez, on va profiter des 3 minutes. J'espère qu'il n'y a pas de lave dans le village. Mais on est presque arrivé, il me semble. D'après le point qu'on voit dans la carte. Parce que demander où est-ce qu'il est le village Goron. Ah! Enfin, on peut voir quand même que la carte est assez gigantesque. Et on a l'impression que c'est pas loin, mais en fait, c'est super loin. Alors, ça, c'est en bois. Mais ça ne brûle pas. Ah non, c'est pas du bois. C'est du métal. Et là, ça ne brûle pas les pieds. Non. Ah. Et donc, je sais pas ce qui s'est passé ici, mais il y a plein de gardiens de pété. Hein. Là, bah, il y a des lézards. Faut que je les déloge, certainement. Mais bon, ils vont repop. Ils vont repop, donc bon. Mon machin, il fuge. J'espère qu'ils vont avoir une armure anti... anti-feu dans le village. Ça me ferait beaucoup plaisir. En plus, on changerait un peu de look, ça nous changerait un petit peu. Et les décors sont cool. Franchement, bravo, GG. GG à vous. Bon, certes, il se passe pas grand-chose aussi, un petit peu quand même. Hein. On s'est fait attaquer pratiquement par deux gardiens. Ah, c'est ça, les boules de feu? Même pas peur. Cours. Bah voilà, et puis en plus, il y a des boules de feu qui me tombent dessus. C'est tout? D'accord, il y a un endroit où il y a des boules de feu qui tombent, mais juste au moment où je passe. C'est vraiment pas de chance. Je pense qu'on est bientôt arrivé. En plus, il y a un. Oh! Le petit donjon ambulant. Donc j'avais raison, c'est bien un lézard, donc c'est bien lui qui les embête. Bon, ça veut dire qu'on approche pas mal, bientôt en tout cas, de la zone. Et du coup, on va rencontrer plein de gorons, plein de quêtes secondaires, machin, tout ça. Je vais pouvoir m'amuser, en tout cas, en solo. Bonjour! Bon, t'as pas une quête, tu n'es pas intéressant. Ouah, ça va, je rigole. Là. Bon, allez, je vais aller voir leur ah, les vêtements. Est-ce qu'il n'y a pas un vêtement unifuge? S'il vous plaît, monsieur. Bonjour. Alors, ça fait quoi? Anti-flamme. En voilà des 600. Ça coûte cher quand même. Hein. Et voilà. En même temps, si j'en mets qu'un. Ah non, faut que je mette toute la. Ok. Bon, après, j'ai encore un peu de potions, donc j'irai au pire plus tard. Au pire, vous savez où ce qu'il y en a. C'est vraiment, j'ai besoin. Pour l'instant, nous, ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une auberge. Oh, laisse-moi. Tranquille. Ok, des magasins, tout ça. Ok.
Bon allez, on va voir le chef. C'est sûrement lui. Parce que il est... Eh, qu'est-ce que tu veux, toi? Nom d'un roc! Mais quelle plaie, ce Rudania! Qu'est-ce qu'il y a? Depuis que Rudania fait des siennes, les éruptions de la montagne de la mort sont devenues plus violentes. Rudania, c'est la bestiole qui rampe sur le flanc du volcan, là-haut. Il y a 100 ans, il paraît que c'était la divinité protectrice de Goron, des Gorons. Mais maintenant, on peut plus miner tranquillement à cause de lui. Et en plus de ça, il fait fuir les touristes. On le repousse tant bien que mal vers le cratère du volcan à coups de canon. À chaque fois qu'il en sort. Mais il remet ça à chaque fouet. Oh, oh, aïe, 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 aïe. Ça va? Oh, mes reins me font un peu souffrir. Mais attends une seconde. Qui es-tu, Gringalet? Un voyageur. Alors comme ça, tu es venu jusqu'ici pour me saluer? Mon nom est Buldo. C'est moi... quoi? C'est moi le crin? Le respecté... le crin, d'accord, je viens de comprendre. C'est moi le crin, le respecté boss des Gorons, celui dont la seule vue inspire le silence au plus bruyant marmot. Je comptais me mettre en route pour repousser Rudania, encore une fois, mais mes reins me font atrocement souffrir. Et qu'est-ce que fiche ce bougre de Yunobo? Il en met du temps à rentrer. Yunobo? Mais qui c'est? Yunobo, c'est un jeune Goron qui m'aide à repousser Rudania. Il est parti chercher des antidouleurs pour mes vieux reins du côté de la mine abandonnée du Nord. Mais il revient pas. Bougre de nom d'un roc, mais où est-ce qu'il traîne donc? Eh, Gringalet, si tu tombes sur Yunobo, dis-lui que je le cherche, d'accord? Oh, oui. Oui, aïe, 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 aïe. Runebo? On va le chercher. Par contre, peut-être que je cuisine un petit peu parce que je vais pas avoir des potions pendant 10 ans. Alors qu'il fait une chaleur infernale ici. Ouais, ouais. Où est-ce qu'on peut cuisiner dans le coin? Ah, là-bas. Puis on va aller voir où est-ce qu'il y a Runebo. Par contre, il y a forcément un machin ici, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas le bouton. Un truc pour se taper ici. J'ai oublié le nom. Hein. Je vais en prendre plusieurs, hein. J'ai pas le choix. Pour ça dure longtemps. Hop. Un sanctuaire, voilà, c'est ça que je cherchais le mot. 8 minutes. Ça devrait suffire. Je vais prendre les 3 qui sont là. Allez. Alors, Runebo. Enfin, je sais pas du tout où est le... Il est où? Je vais le chercher quand même, parce que c'est quand même utile. Pour se taper tranquillement plus tard. S'il y a besoin, d'ailleurs. Bah, il est où? Il est par là-bas. Au pire... Ah, c'est peut-être là-dedans. Il l'aurait recouvert? Ah non. Bah, il est où? Ce maudit sanctuaire, quoi, sérieux? Ah ouais, une arme, bien. Je vais pouvoir péter les trucs avec. Le sanctuaire. Il semblerait qu'il soit par là. Mais aucune idée d'où il est exactement. Bon. En tout cas, il est où, machin? Il y a un chemin, donc j'ai peut-être pas non plus me mettre en danger. J'étais prêt à escalader toute la vie, quoi. Bon bah, je sais pas où est le sanctuaire, c'est bizarre, hein. En général, il est toujours collé à la ville. Là, c'est pas le cas. Allez, go! Ouais, ouais, plouk plouk, ouais. Je lui dirais, ouais. Merde avec tes plouk plouk. Mon dieu!
Ça va pas te faire des roulettes comme ça. Il m'a fait peur, je pensais que c'était un roux. Ah, il est là-bas, c'est bon. Ça va arrêter de faire plus de 2 secondes. Ah, c'est un machin qui dort, ça, non? Non, je sais pas. On va arrêter ce plouc-plouc, là, parce que ça commence à énerver. Je pense qu'on fera le sanctuaire la prochaine fois. Si ça vous dérange pas. Là, je l'active juste pour pouvoir que ça arrête de faire plouc-plouc et que je puisse me TP là-dessus plus tard. Mais lui, je peux même pas lui tirer dessus, quoi. C'est une blague. Ah, je sais. Poser. La 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 la, je suis parti. Ouh, mais il est où le méchant? Je ne sais pas. PAM. Vous avez vu, je joue bien la comédie quand même. Faut bien avouer. Avouez-le. Tout de même. Par contre, je vais pas faire ça à chaque fois. Y'en a. T'agaçant. Bon, j'ai juste, je vais aller le voir. À peu près, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La mine abandonnée du Nord. Il est où, Gigi? Il est là. Salut. Oh là là, il y a plein de gens qui passent aujourd'hui. Tu sais, il y a encore beaucoup plus chaud par là-bas. Il fait encore beaucoup plus chaud par là-bas. Il y a beaucoup plus de monstres. C'est très dangereux. Tu connais Yunobo? Mais pourquoi un gars comme toi connaîtrait le petit Yunobo? C'est bizarre. Je te connais pas, moi. Le boss le cherchait. Hein? Le boss? Les yeux qu'il a fait. Ah mais alors, tout de suite, je vais te dire tout de suite où il est. Yunobo, il m'a dit qu'il allait chercher des antidouleurs. Il est parti en direction de l'entrepôt. Tiens, d'ailleurs, il est toujours là, il est toujours parvenu. Il en met du temps. C'est très dangereux par ici. Tu sais, je te déconseille fortement d'aller chercher. T'as encore... t'es qui? Moi? Moi? C'est Fort Jaran. Depuis que Val Rudania est apparu, il y a tellement plus de lave. Il fait beaucoup plus chaud. Et il y a aussi beaucoup plus de monstres. Comme c'est devenu très dangereux, Buldo, le boss, m'a demandé de monter la garde. T'as encore besoin de moi? On est où? C'est la mine abandonnée du Nord, ici. Écoute un peu notre hymne. Balance l'explodé, frange. À nous le minerai, à nous le butin. Cette mine est très connue, tu sais. Avant, on était beaucoup à y creuser. Mais depuis que Val Rudania est apparu, il y a de plus en plus de lave et il fait tellement plus chaud. Et puis, les monstres sont bien plus nombreux. Mais alors, on ne peut plus venir miner. T'as encore besoin de moi? Non, à plus. À plus dans le bûche. À plus. Ok. Est-ce que je vais chercher de l'armure ou pas? C'est la question que je peux me poser à un moment donné. Il y a des bêtes par là. Ça commence à... Il commence à y avoir des pertes de FPS. Oh! Bah! Bah les pattes! C'est le canon du boss! Surtout, ne touche pas au levier, hein. Pas touche. Levier. En gros, si j'utilise ça, je vais m'envoler là-bas. Non, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, comme d'hab, le petit j'aime, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Bam. Allez, Rui, c'est toujours cool. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao.